Hey, salut à tous et bienvenue dans la folie des Artrix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version blanc 2 en challenge d'un Pokémon. Et aujourd'hui, il y a une petite particularité, je vous le dis au cas où, parce que aujourd'hui, nous allons. Je fais ça, cet épisode, en live, comme tous les épisodes de la semaine. Voilà, j'ai décidé de le tourner en live. Et si ça vous intéresse de suivre les lives, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et à suivre la chaîne pour suivre les lives. Désolé du coup si ta connexion est pourrie pour suivre le live, je peux pas faire grand chose. Donc l'arène de type vol, on devait la faire. Voilà. Dites-moi si le son ça va, normalement le son est censé aller. Hein. Pour me faire pardonner, une bonne eau fraîche, oui toujours l'eau fraîche au début de l'arène. Les tunnels aériens, ouais. Alors, le son est hyper fort chez moi. Hop. Voilà, oui, je sais. Oui, non, mais ça, je sais, hein, t'inquiète pas. Donc, on avance dans cette arène, il faut se cacher dès qu'on sent qu'il y a une grosse rafale de vent. Voilà, là, on est caché. On n'est pas envoyé au début de l'arène. Donc, on va le faire tranquillement. Hein. On va le faire tranquillement. Je crois que j'ai en profité. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Et je vais... Je vais baisser un peu le son de... Voilà. Hop. Tac. Voilà, c'est bon. Hop. On va pouvoir repartir. J'ai préféré baisser le son parce que c'était vraiment trop fort. Voilà. Donc le premier dresseur. On va voir ce que ça donne parce que, en fait, j'ai très peur qu'on soit pas au level... Soit que ça soit vraiment trop dur pour notre seul Pokémon. Donc Rhinolove. Bon alors Rhinolove ça va être. Ah 37. Ah ouais. Bon Rhinolove avec un coup de morsure ça va. Bon c'est sûr que si elle a des Rhinolove, ça va. Ça va, ça va. 45. Bon c'est cool. Boulelec 1. Ça peut être rendre le truc plus facile. Le lanceur renvoie une boule d'électricité. Sa vitesse est plus grande que celle de l'ennemi, les dégâts augmentent d'autant. Ah ! Ah mais c'est fort. Je vais peut-être enlever Bully Lave du coup. Ça peut brûler. Ou alors j'enlève colère. Ouais mais colère c'est fort. Je vais pas enlever morsure. Morsure ça nous a fait toute l'aventure. Alors là c'est compliqué parce qu'il faut que j'enlève une attaque parce que boule lec. Non, attends. What? Oui, oui, je veux oublier une capacité. C'est soit ébullilave, soit morsure. Ah, je vais enlever morsure. Hein. Est-ce que c'est pas le moment d'enlever morsure? Mais c'est une attaque stable. Non, je vais enlever ébullilave. Le mieux, c'est de garder morsure. Hein. Morsure, c'est fort parce que c'est du type de Sharpedo. Hein. Oh, merde. Bon, ça va, je suis... Ok. Donc là, le Sharpedo qui devient de plus en plus cheaté à chaque fois qu'il apprend une attaque. Il apprend toujours une attaque du type pour l'arène. Donc, moi, je dis pas non, hein. Ce Sharpedo OP. Hop. On va se faire les dresseurs. J'ai envie de voir la force de... De Boulelec, parce que en plus, l'avantage c'est que. Cryptero. Bon, je vais peut-être pas faire Boulelec, mais. L'avantage c'est que les Pokémon vol sont. Ah non, ils sont rapides, je suis con. Non. Mais je pense que Sharpedo est plus rapide que n'importe quel Pokémon là actuellement. Que je peux croiser, bien sûr. Il a quoi comme vitesse Sharpedo? Il me semble qu'il est ultra rapide. En fait, l'avantage de Sharpedo, c'est qu'il est ultra rapide et qu'il tape fort. Le désavantage, c'est qu'il a une défense de caca. Non, il a 102 de vitesse. Ah ouais. Je
pense qu'il est plus rapide que n'importe quel Pokémon actuellement. Actuellement, les Pokémon de Star Arena que je peux croiser, il va être plus fort. C'est obligé. Il est forcément plus fort. Bon, n'hésitez pas, vous qui êtes sur le live, à commenter un peu, à me donner vos avis. Bon, déjà, on va voir avec Déflaizan, qui est pour moi un des Pokémon les plus forts que je peux croiser dans cette arène. Si je lui fais Boulelec, ouais, déjà, je suis plus rapide que lui. Ça lui fait quoi? Ah, ça le one-shot pas, mais presque, quoi. Flamme-Croix. Ouais, mais ça me fait rien. Ok. Bon, c'est cool, ça va. Et 1900... Oh, putain, je gagne tellement d'XP. Par contre, je gagne tellement d'XP, c'est un peu abusé. Hop. Bon, ça se passe bien, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Hop. À toi. Archéapti. Ah. Bon, Archéapti, c'est surf, hein. Il est vol roche. En vrai, un petit surf, ça lui fait pas mal. Enfin, ça lui fait très mal, plutôt. Ouais, super efficace, c'est ça. Nickel. Ah, j'ai pas pensé à Archéapti, c'est chiant. Et là, Boulelec, quoi. Ah. Ah, ça, c'était pas prévu, ça. Ah oui, si le Pokémon vol absorbe Volt, c'est pas drôle. Par contre, Morsure, ça lui fait ultra mal aussi. Ah ouais, on a bien fait de garder Morsure. Hein. Même avec un aiguisage, je suis plus rapide. Aiguisage, ça augmente pas la vitesse. Je sais plus. J'ai pas lu. Hop. Et oui, Ferry, c'est un requin maintenant. Ferry, c'est tout, on peut. Et bonsoir, Prunelier. Oh non, on va pas recommencer. Oh non. On va pas recommencer avec ça. Quoi ne-t-on ? Ah bah oui, mais... Oh, s'il y a un lac Messigne. Oh, s'il y a un lac Messigne, ça va être le feu. Bah écoute, ça va, hein. On fait le tournage des vidéos YouTube de la semaine. Là, actuellement. Hop. Bim. Un Pikchonari. Rhinolove. Ah ouais. Bon, je pense que cette arène, ça va être du pain béni. Je vais ouvrir tout le monde. Comme je suis en train de faire actuellement. Ouais, ça... Ça va être... easy. Salut Max Fuse. Bonsoir à toi. Hop. Tac. On n'était pas censé revenir au début, hein. Moi, je voulais revenir au début. Comment je fais? Ça va et toi? Mais non, mais je veux revenir au début de l'arène, là. Oh, relou. Oh, ça va un peu être chiant, en fait. Bon, c'est pas grave. Hop, hop. Quoi? Oh non! Oh, je me suis fait brain. Oh, mais c'est chiant! Arène de ses morts! Hop. Tac.
Vite, non! Mais j'ai pas envie de la faire maintenant, la championne. Ah oui, d'accord. C'est la violence. Mais en fait, j'ai envie juste d'aller me soigner avant. Voilà. Hop, on va soigner rapidement. J'ai jamais joué à ce jeu, donc je ne sais pas trop. Oui, on va se faire soigner. Et on va aller s'attaquer à la championne, tranquillement. On va s'attaquer tranquillement à la championne d'arène. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Bon, j'ai toujours peur quand même, parce que bon, c'est la championne d'arène. C'est le sixième badge. Et je pense que ça va bien se passer, hein. Bon, faut retourner déjà jusqu'à la championne. Parce que cette arène est vachement relou. Voilà, on va le faire tranquille. Hop, vite, vite, vite. Oui, je... Bah, c'est le challenge de... Oui, je suis en... Je suis en challenge un Pokémon, ouais. Mais les attaques sont random. Les attaques et les capacités spéciales des Pokémon sont random. Je sais pas pourquoi je suis repassé par là, mais... Je solo run avec un petit Sharpedo que j'ai eu en starter. Plutôt content. Oh mais toi Maxus, t'es le meilleur, toi, t'as tout fait toi. T'as tout fait en plus d'heures de jeu que tu n'as de vie. C'est incroyable. Tu es incroyable Maxus. Du coup, est-ce que j'ai des objets de soin ? Ça m'a l'air d'être pas trop mal, on verra bien. C'est parti pour moi. Je t'attendais. Alors on ne se laisse pas souffler à ce que je vois. J'espère que tu as encore de la réserve, parce que moi, c'est moi qui vais m'occuper de ton cas maintenant. Et c'est parti. Non, en fait, c'était pour dire que je croyais pas vraiment à ce que tu racontais en fait, Maxus. Mais c'est pas grave, hein, moi, si tu me le dis, Je m'en fous après tout. Tu dis ce que tu veux après. Et Valorinolove, comme prévu, c'est one shot. C'est parti niveau 46. Non mais si tu le dis, d'accord. Moi j'y crois pas, après. Et en plus, je m'en fous. C'est surtout ça. Donc c'est parti, l'Acmessigne, la boule élec, double faiblesse. Voilà, et je pense qu'elle va avoir un déflaisant. Hermure, ah! Hermure, je vais lui faire un petit surf. Voilà. Ah, hâte. Je reste quand même plus rapide qu'un Hermure, je pense. Mais elle va le soigner. Nickel. Petit coup critique. Allez, petit coup critique. Non. Bon, c'est pas grave, on va refaire surf. Tranchère. Bon, ça va. Bon, au final, cette arène était quand même assez easy, mais c'était prévisible. C'était prévisible, et du coup, le sixième badge, il est là. Il est là, le sixième badge. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, du petit sixième badge. Oui, très bien. Badge officiel de la Ligue.
Alors, lors du précédent challenge que j'ai fait sur Noir 2, Blanc 2 aussi, j'avais perdu sur la dernier dresseur de la roue de victoire. J'étais un peu déçu de ne pas avoir au moins fait la ligue, même si je savais qu'avec mon équipe, je battais jamais la ligue. Mais je suis un peu déçu. Donc j'aimerais aller plus loin avec ce challenge. Au moins commencer la ligue. Même si je sais qu'avec un seul Pokémon, ça va être chaud. Bien, prochaine étape, un voyage en avion. Nous serons à destination à Tyrdale. Au fait, où s'est envolé le professeur? Et là, le professeur. Hello, j'espère que mes amis seront aussi fructueux de l'autre côté de la montagne. Allez hop, en voiture, partons en avion. Oui, Janusia. On va à Janusia, d'accord. D'accord. Très bien. C'était quoi ce dialogue? Elle est déjà partie. D'accord. Okay. Elle lui dit, vous aimez à faire attendre les gens, l'autre est déjà partie, quoi. Service de fret aérien, je ne sais plus où c'est. C'est d'autres là. Je sais pas pourquoi ils m'ont demandé de faire 5 mètres. Juste pour me faire plaisir. Ok, et bonjour. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y, on va. Oh, il y a Bianca. Oh non. Attendez, vas-y, je vais venir! Oh là là, ouais. Ah non, pas ça! Merde, j'ai pas soigné mon Pokémon avant! Oh non, pas cet endroit, s'il vous plaît, j'aime pas. Si c'est l'endroit que je crois, j'aime pas. Ouais, c'est ça, putain. C'est cet endroit. Ah non! Pitié, m'emmenez pas là-bas. Oui, allez, j'ai reçu un message de Tchéren. Oh putain, non. Réchira mes écrans, sans deck. Oui, bien sûr. Oui. Attends, mais là, je suis sur blanc 2, non? Je suis sur blanc 2. J'affronte quoi alors, du coup? On rappelle plus. C'est Kyurem blanc ou Kyurem noir? Attends, blanc 2. Je crois que c'est Kyurem blanc. Du coup, ça veut dire que c'est Kyurem dragon feu. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. D'accord, on s'en fout, oui. Mais c'est nul. T'as quoi comme attaque forte? Ah ouais, mais j'ai pas de tesson. Ah ouais, mais les objets par terre sont random. Ouki, très bien. Bon, on a combien de minutes? 18 minutes 30 de vidéo. Bon, comme après, il y a plein de trucs à faire dans cet endroit-là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Hop, tac. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir à partager la vidéo si elle vous a vraiment plu et à vous abonner pour rejoindre le monde de la folie sous la suite de ce Space Star Trek. Bisous tout le monde!